On va y donner à boire. Voilà. L'ONISOL de Fox Golf, novembre Lima, rebonjour. Novembre Lima, rebonjour. Transponder 3724, roulez point d'attente 0800, rappelez près. 37-34 sur le transpondeur, je roule 08-2 et je rappelle près Fox Nova en Lima. 37-24 novembre Lima. 37-24 novembre Lima, merci. Fox Oscar Tango, le sol à l'écoute. Oscar Tango. Est-ce que vous pourriez vous avancer au Oscar Tango parking tour une fois que le Robin est passé pour libérer les pompes pour le TB derrière vous? Désolé, on avance. Merci Oscar Tango. Augmente, bille à gauche, aiguille à droite, roulage à gauche. Donc Oscar Tango, on arrive au parking tour. Donc rebonjour, on souhaite le roulage pour le parking en herbe. Correction, pour le décollage sur la piste en herbe, ce sera pour des tours de piste. Et on a bravo. Rossi Oscar Tango, transpondeur 7000, c'est le passage au Robin à votre gauche, puis roulez point d'attente 08 gazonné via le bypass, le parking en herbe, et rappelez Whisky Unité. On roule derrière, on met au Québec, on rappelle avant de croiser en Whisky Unité. Oscar Tango. Checklist. Salut Fox Golf India, bonjour. L'on est seul de Fox Novembre Lima, point d'attente 08 dur très haut départ. Fox Novembre Lima, maintenez point d'attente, vais la tour 118 décimal 6. Je maintiens point d'attente, je vais la tour 118 décimal 6, Fox Novembre Lima. Je vous rappelle, Tango Delta. On l'a copié pour les intentions du beeper, Tango Delta. Ok, bien bravo, en sortie pour quitter. Bien bravo, 7000 quitte à plus tard. 7000 à plus tard, bien bravo. Fox Novembre Lima, long tour, bonjour, alignez-vous 08 dur, autorisé décollage, vent 0,60 degrés, 8 à 16 nœuds. Bonjour, on s'aligne, autorisé décollage 08 dur, Fox Novembre Lima. Correction, Delta Whiskey, you can overtake this traffic by the left, This traffic will be for the grass one way, so keep it on your right and overtake him by the left. And runway pattern please at 1200 feet UNH. I will overtake the Cessna by the left and repeat the second one. You can climb for 1200 feet UNH for the runway pattern, please. And you will be for the paved runway, and this traffic will be for the grass runway. Delta Echo Service Charlie for the concrete runway. Tango Delta, donc le piper vous double par l'intérieur, il est pour la dure, vous serez numéro 2 derrière lui pour la gazonnée. J'ai pas copié Tango Delta, vous pouvez répéter? Oui. Vous avez bien dépassé sur la gauche, Tango Delta. Merci. Je rentre les volets, pompe off et je cherche 80 nœuds. Checklist après décollage, volet rentré, pompe off, réchauffe off, instrument dans le vert et on prend notre route. Et on est passé large au-dessus de la grue. Delta Whiskey Charlie turning final.
Delta Whiskey Charlie, cleared to land runway 08 concrete, surface to wind 060 degrees, 7 knots, maximum 14 knots. Delta Whiskey Charlie, cleared to land runway 08 concrete. Ça fait bizarre, on a l'impression qu'on va sur la ville là. Ah, tu passes par là. Ah d'accord. Ah, je l'avais jamais fait comme ça celui-là. Donc c'est novembre Lima, 7000, quittez à plus tard. 7000 plus tard, novembre Lima. Tu vois, je découvre un truc là dès le début. Voilà, de Fox Tango Oscar, on est à 1 minute de la verticale de vol Vicomte pour un 360 éloigné, et donc on fera un 360 au-dessus de vol Vicomte à 1200 pieds QNH, et puis prise de cap sur Vordeblanc. Fox-Icray, je viens de passer au sud de vol Vicomte, 2200 pieds, novembre hôtel 1026, et je fais route vers l'est, vers Nangis. Melin de Fox, Golf, novembre, bonjour. Paramètres météorologiques de Palard-Laroche. Vent 0, humidité 0 degré, humidité 0, 0 degré. Parce qu'il a 3 qu'ils ont parlé dans moins de 30 secondes, et ça déclenche... Parce que je vais aller, bonjour, elle a dit grand, elle a appuyé de fois. Nuage instrumental, supérieur à unité 5000 pieds, température unité 2, point de rosée 4, QNH unité 026, QFE unité. Une fois qu'il est parti, mais pour l'arrêter, pas tout de suite. QFE seuil piste 2, 8. 0, unité 5, QFE, seuil piste, unité 0, unité 0, unité 5. Nolin de Fox, novembre, Lima, ADR 400, en provenance de Lonnay à destination de l'Aigle, actuellement à 3 minutes, à 2 minutes de point écho, de point novembre pour transit par Bravo à 1500 pieds. La fréquence d'après, 126 décimales. Il annonce du pari. Ouais, ça fait bizarre d'être à droite. Hein. Bon, j'ai volé plusieurs fois avec Hichem, le pilote ici, collègue. Oui. Ah, donc j'ai plusieurs fois à droite, mais oui, ça fait bizarre. Hein. Là, ils t'ont dit, c'est pas désagréable. Hein. Oui. Là, tu perds toutes les références. Ouais, mais tu vois bien le paysage. Ouais. Le Tango Oscar, il était à Vaux-Vicomte. À revenir vers ici ou tout à l'heure je l'ai vu, il s'est posé le Tango Oscar. Quand on est parti, il s'est posé. Oui, c'était Oscar Tango tout à l'heure à la radio, qui était à sud de Vaux-Vicomte. Ah, d'accord. Voilà, maintenant le PR28 Fox, Fox-X en sortie de zone par l'est, descente sur Nangis. Bon, voilà tout. Il est là-bas, lui. On voit grand vide là-bas. Je vois. Non, mais il est loin, il est par l'est. Belin de Fox, novembre à Lima, point novembre à 1500 pieds pour un transit vers par Bravo. Donc Melun de Tango Oscar, on est vertical vol Vicomte, prise de cap sur bord de Melun, rappellera en transit pour quitter 1200 pieds QNH 1027. Et il est 39 comme prévu, c'est formidable. Ça m'éclate.
se jette un coup d'œil avec moi de temps en temps à la veste, ça m'inquiète que... Ouais, jamais, oui, j'ai oublié où... Les instruments sont dans le vert, l'essence en a le plein. Ok. Donc imaginez, moi je ne vais pas utiliser le réservoir pour mon vol. Oui. Je l'avais dit. Ah. On décollera et puis une fois qu'on sera en réservoir, il ne faut pas oublier. Oui, il ne faut pas l'oublier. De toute façon, on le redira dans la check. Ouais. Tu vois, je vais sur les bâtiments là-bas, puis je fais celui-là. Ah, je me dis, ok. Ah, ok, je fais comme toi. Non, non, mais... Ça me va bien, je ne connais pas par là-bas. Ah, parce que là, il a le, la prison qui est pas loin, la prison de Melun. Ouais, c'est ça, pour ouais. ça qu'on s'approche trop de... Non, c'est pour ça, je passe de l'autre côté, comme ça, ouais. je la laisse tranquille. Je sais qu'il y a de la marge, mais je ne l'ai jamais fait encore. Il est où Ah, ben, elle est juste à gauche. Non, oui, non, je cherche la... la... Ouais. Melun de Fox, novembre Lima, je croise les axes de la piste à 1500 pieds pour un transit par Bravo. À 1500 pieds, estimé Bravo dans 3 minutes. Si jamais quelqu'un décolle. Melun de Tango Oscar, on est en sortie de zone, prise de cap sur bord de Melun. On quitte la fréquence, bonne fin de journée, bon vol à tous, au revoir. Melun de Foxgolf Novo Maltra Mike, PA28, retour d'un vol local par le sud. On est à 3 minutes de la verticale terrain, 1600 pieds. On va se reporter verticale et on appelle verticale. Effectivement, elle est vraiment pas loin. Ah là, je l'ai pas vu, t'es où? La prison, non, là, je parle de la prison. Là, c'est où? Il est loin. Non, la prison, c'est où? Juste derrière à gauche. Ah oui, oui, ok. Donc alors moi en principe je fais ça, je suis là, voilà, ça revient au même. Hein. C'est bon. Alors je vais en profiter donc pour découvrir là. Celle-ci. D'accord, donc on est là, la prison. J'ai 16 nœuds de bande arrière. 16 nœuds, ah oui. Ben c'est pas là, vers M6, là quand je vais tourner, ça sera encore plus. Ouais. Ah oui, 15 et 11. Waouh, 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 waouh. Là, je vois Bravo. Ouais. Je le sens. Hein. Parfois, oui, je pas trop symétrique. Je sens que ça bouge un peu. C'est linéaire, hein, il n'y a pas de turbulence. Là c'est stable donc ça va. Et là je vais redescendre un peu. Effectivement ça nous fait un 130 sol. Hein? Bon, ben, de toute façon en retour on va se manger du 15 de face hein, facilement. Vol en novembre Lima, tu te remets du Rome Delta. Ah. On profitera plus longtemps c'est bien. Melun de Fox Golf Novembre Lima, point Bravo 1500 pieds et je transite vers le bord de Épernier 1500 pieds. Je quitte vos zones et je quitte la fréquence, au revoir.
Paris Info de Fox Golf Novembre, Novembre Lima, bonjour. Novembre Lima, je vous rappelle. Alors Zulu Alpha 70-04, 7004. 7004 pour un Zulu Alpha. Novembre Lima. Fox Golf Novembre, Novembre Lima, bonjour. Un DR400, deux personnes à bord. En provenance de Logne, à destination de l'Aigle, Oscar Lima. Je viens de quitter Bravo à 1500 pieds pour information de vol, s'il vous plaît. 70-05, novembre Lima, 7005. 7005 sur le transpondeur Fox, novembre Lima, merci. Oscar Charlie, Tango Delta. Oscar Charlie, Tango Delta. Now, madame, you can speak VFR, contact send information 134875. 134875 for the CFM. Bye bye, Oscar Tango Delta. Zulu Alpha identifié. Identifié Zulu Alpha. Novembre Lima identifié également. Merci. Paris Info de Fox, Revo Yankee, bonjour. La fréquence d'après. Romeo Yankee, je vous rappelle tout de suite. 1,9. Romeo Yankee, je vous écoute. 2. Fox Bravo X-ray, Romeo Yankee, DR 400, en faisant 2 droits en direction de Chavet avec une personne à bord. 6800 pieds. Je viens de quitter donc. Romeo Yankee, 70-02, 7002. Donc je sais que je rentre pas, je reste 7002, Romeo Yankee. Là, c'est la alors, Novembre Lima, attention, faut que vous preniez quelques degrés plus à gauche pour éviter Paris. Ah non, d'accord, ah, effectivement, oui. Ah. Bon. Novembre Lima. Je vous écoute. Mais là, c'est bon, là, vous avez le bon cap, c'est bon. Oh, merci. Info Alpha Echo. J'étais un peu comme ça pour rattraper ma. Paris Info, Alpha Echo, à 5 minutes de Sedan pour quitter. Oui, Alpha Echo, repasse en 7000 avec Sedan, au revoir. Puis Alpha Echo. Bon, on sait qui va, lui. Hein. Ah, c'est bien. Ah, c'est bien, ouais. Fox, bravo, papa, Charlie Yankee. Charlie Yankee, ça. Passé en 7000 et Lille Info 126-47, au revoir. Lille avec Lille Info 126-47, Charlie Yankee, merci, bonne journée. Fox, Romeo Yankee, identifié radar. Romeo Yankee, radar. Alors en fait, là... Novembre Lima, attention, là, vous êtes à 30 secondes de Paris, il faudrait que vous preniez un virage à gauche, un cap 260. 260, cap, désolé, merci. Arrête-toi. 30 secondes, sans bout d'aile là-bas. Hein. Bon, vas-y, on Charlie Mike. Charlie Mike. Je serai pour quitter 6 minutes des installations de Sedan. Paris, je crois que c'est la route. C'est aussi, passe en 7 minutes, au revoir. D'autre côté, on est sur Paris. Ah, je voulais éviter la ville, il m'a fait passer dessus, donc... Ouais. Ah oui, oui, t'as raison, on était très proche, donc... Ah oui, oui. Ouais, c'est... On le voit super bien, ouais, ouais. Ça y est. Il commence à s'éloigner, là. Après, il part comme ça, là. Les instruments dans le vert, les sons dans le vert, alternateur dans le vert. Là j'ai 250, c'est correct. Ok, on passe les lignes de tension là. Là tout ça, quand on est au commande, genre on le sent plus, mais tout ça, le vent me fait balader un peu. Ouais. Un peu, je glisse un peu à gauche, un peu à droite. Plutôt j'ai 15 nœuds derrière.
Novembre Lima, vous allez écorner les zones de Chevreuse, vous voulez les éviter ou passez, vous passez avec Chevreuse? Non, je reste avec vous, je vais passer par le point Resmir et ensuite le vent EPR. Bah, désolé, Novembre Lima, ce cap-là, dans 3 minutes c'est Chevreuse, alors vous allez passer avec eux, 119.3. 119.3, Novembre Lima, merci. Chevreuse de Foxgolf, Novembre Lima, bonjour. C'est Novembre Lima, bonjour. Foxgolf, Novembre Lima, ENR 1500 en provenance de Logne à destination de Nègle, Oscar Lima. Deux personnes à bord, actuellement point Redmi à 1500 pieds pour information de vol. C'est Novembre Lima, transpondeur 4452, QNH 1026, rappelé pour quitter. 4452 1026, on rappelle pour quitter Novembre Lima. Ah, j'ai rien compris pourquoi elle m'était passée par Chevreuse. Bah écoute, c'est parce que il doit y avoir un truc qui s'appelle Chevreuse, là je le cherche, je le trouve pas, mais... Là-dessus, je crois qu'on peut lui faire confiance. Ok. En deux. 357, on peut monter. Là on est passé. Et ça se termine où, Chevreuse? Non, je le vois pas. Justement, je vois pas qu'il s'appelle. Qui s'appelle Chevreuse là-dessus. C'est pas un truc récent, j'ai vu un mail de samedi, c'est un truc récent, il est pas sur cette carte encore peut-être. Peut-être. Je pense qu'ils ont ajouté. Ah non, le nom me dit quelque chose, mais effectivement il est pas sur la carte. Bon, ça doit être l'autoroute à Nice. La ligne de tension. Ah, c'est pas la même chose avec 250 millième, c'est clair. Hein. Ah, je vais le demander, hein. Ouais. Chevreuse de Fox Novembre Lima. Novembre Lima, je vous écoute. Je sais, excusez-moi, ça termine où votre zone, j'arrive pas à le trouver sur la carte. Si vous continuez à la route, dans 5 nautiques. D'accord, merci, je vous rappelle dans 5 nautiques, mon fichier. Ici Novembre Lima, il y a un trafic Robin, 1h, 3 nautiques, route droite-gauche, 500 pieds haut. Reçu pour le trafic, j'ouvre les yeux, je trouve pas encore, merci. Ce Golf Delta, trafic Robin, 11h, 2 nautiques et demi, 500 pieds bas, gauche-droite. C'est copié, j'ai le visuel, le Golf Delta. Monsieur. Bon, ben, il doit pas être long alors. Et une heure tout à l'heure, il doit être juste en face, hein, mais... Novembre Lima, le Robin visuel sur vous, il est maintenant dans vos 1h, 1 nautique et demi, 500 pieds aux route inverse. Merci. Et je trouve toujours ça, je cherche encore. Golf Delta, vous confirmez visuel? Affirme-moi le visuel, est-ce que vous pouvez répéter sa trajectoire de l'état? Ok, c'est bon. Il est route pleine ouest. Affirme, ok, on a le visuel de l'état. Novembre Lima s'est croisé juste derrière vous, 600 pieds haut, plus de trafic connu à vous signaler jusqu'en sortie. Merci, je viens de le voir effectivement, je vous remercie.
quoi, 400 pieds, ça fait pas énorme. Hein. Ah. J'ai dû le chercher là, il était plus par là quand même. Bon bah nickel. Je monte à 2000 pieds, faut que je m'envoie les mains. Monsieur. Je vous ai on a perdu les yeux sur la charte de fond. C'est croisé Golf Delta et vous êtes en sortie. 7000 quittés, bon vol, au revoir. 7000 en quitte, merci, au revoir Golf Delta. Ok, 129-625 bientôt. Novembre Lima, vous approchez la sortie également, 7000 quittés, bon vol, au revoir. 7000, au revoir, merci beaucoup. Combien ? 129-625. Paris Info de Fox Golf, novembre Lima, bonjour. Zulu Alpha, pour info, vous avez un trafic dans vos 12 heures actuellement qui passe 2600 montées. On a visuel, on vient de le croiser, Zulu Alpha. Novembre Lima, rebonjour. Rebonjour, on vient de quitter avec Chevreuse pour continuer toujours vers l'aigle d'information de vol, s'il vous plaît. Oui, novembre Lima, 70-02-7002. 7002, merci. La fréquence d'après. Alors la fréquence d'après, je vais te dire pas... Bah, novembre Lima pour l'instant, pendant 2 minutes 30, c'est 2000 max. Ah, je descends à 1900, merci. Info, Delta 0 Oscar, libéré par Paris Info, niveau 4000 pieds, QNH 1026. On va les garder jusqu'à Dreux en fait. Sur Oscar, vous êtes en VFR ? Delta 0 Oscar, on est en VFR, oui, pour Deauville. Bah, redonnez-moi l'indicatif complet, provenance, destination, type d'avion. Delta Echo, Sierra Sierra Oscar, Mounet M20 MT, provenance Chartres, destination Deauville, 3 personnes à bord, transpondeur 7000. Sierra Oscar 7003, 7003. 7003, Sierra Oscar. Un petit château là. Ouais. Information from Delta Echo Papa, Echo Papa, bonjour. Echo Papa, Echo Papa, call you back. Novembre Lima. Je vous écoute. Vous avez un trafic droite-gauche, 100 pieds plus bas actuellement, il est dans vos 1 heure. 3 nautiques. Restez pour le trafic, on ferme. J'ai pas d'idée. Alors X-Ray Golf, vous êtes le trafic en question, et donc vous avez le Novembre Lima qui arrive gauche-droite, qui est à la même altitude dans vos 9-10 heures gauche-droite donc. On a visuel, ça y est. Delta Echo, Sierra, Sierra Oscar, identifié radar. Ok, Delta, Sierra Oscar. Info de faute, Tom Sibir, Echo Genève, bonjour. Delta Echo Papa, good day, sir, go ahead. Delta Echo Papa, Piper 28 from Bon Hangala, Echo Delta. Altitude 40 degrés. Ah ouais. Pas capable de dire s'il en rapproche ou pas. Delta Echo Papa? Yes, Delta Echo Papa, I have your call time, you can scope 7020. Ah d'accord, on va être plus ou moins parallèle convergent là. 7020, scope. En novembre Lima, X-Ray Golf est en train de passer dans vos 12 heures à même altitude, moins d'une minute devant vous. J'ai le visuel, novembre Lima, merci. Info de Fox Golf, c'est Juliette, bonjour.
Echo Juliette, bonjour. Echo Juliette, appel 28 au départ de Meaux, destination de Péronne, actuellement dans le travers magnétique, dans le travers droite du Plessis. On monte vers 2000 pieds, transpond vers 7000. Echo Juliette, 70-17-70, unité 7. 70-17 au transpondeur, Echo Juliette. Fox, bravo, uniforme Mike Delta. Mike Delta, j'écoute. 7000 et c'est l'info, 120-325. Au revoir. 120-325, au revoir, merci. Delta, Echo Papa, radar contact. Paris Info de Fox, Mike Victor, bonjour. Mike Victor, bonjour. Fox Golf Tango, Mike Victor, Cessna 152, deux personnes à bord en provenance de Logne, à destination de Rouen. C'est actuellement en sortie des installations de Meaux. Sable 1500 pieds QNH, ce serait pour l'information de trafic. On vient de passer EPR là. Pas presse. Mike Victor 70-01-700, unité. 70-01 en transpondeur, Fox Mike Victor. Fox Golf India, Echo Juliette identifié radar. Pour info, là, il y a actuellement du para sur Péronne et Frétois. Je fais l'info du para sur Péronne et Frétois. Merci. Fox Golf India. Paris Info de Fox X-Ray Golf pour quitter la fréquence et passer à X-Char. X-Ray Golf 7000 et Chartres, au revoir. 7000 et Chartres, au revoir, merci. Oscar Oscar Romeo, Oscar Sierra. Scroll Sierra. Scroll VFR, contact Deauville 120-35, good day, sir, bye. VFR 120-350, goodbye, for Scroll Sierra. Fox Golf Tango, Mike Victor, identifié. Appareil info de Fox Novembre Lima pour monter à 2500 pieds. Oui, Novembre Lima, vous pouvez vous assurer votre séparation. Paris Info de Fox Golf Tango Zulu Uniforme, bonjour. Zulu Uniforme, je vous rappelle. Fox Mike Victor, attention, deux trafics en tour de pied sur le Plessis. C'est copié pour l'information de trafic, Fox Mike Victor. Fox Golf Tango Zulu Uniforme. Fox Golf Tango Zulu Uniforme, j'écoute. Allez-y, passez votre message. Donc Fox Golf Tango Zulu Uniforme, DR 400, deux personnes à bord. On vient de décoller de Saint-Cyr pour un local dans la zone ouest de Saint-Cyr, au sud de Mantes. Transpondeur 7000, pour des infos de vol. 70-05 Zulu Uniforme, 7005. 70-05 Fox Zulu Uniforme. En pleine essence. Ouais. Paris Info des Fox, bravo, X-Ray, Zulu, Oscar, bonjour. Fox, bravo, X-Ray, Zulu, Oscar, Paris Info, bonjour. Bonjour, 512, personne, moment vers Meaux, 1430 pieds. 70-10. Allez, 70-10. Alors, on a passé Coulomb. Paris Info, Fox, Sierra Lima, pour vous quitter, passez avec 60. Sierra Lima, 67000, au revoir. Mille, au revoir, Sierra Lima. Bon ben ça c'est dreux alors, forcément. Dès qu'on a le vent arrière, là on est à combien? Ah oui, c'est une méthode. Il sera 130. On risque pas d'être... Putain, plutôt être à 0,7.
quelque part en dessous là. Oui, c'est une pastille gazonnée, je la vois après la forêt. C'est une pastille gazonnée dans l'axe. Non, ah non, c'est pas ça. Juste pour vous, Oscar, identifié. Comme ça, on arrive. Oscar, oui, c'est possible que ça soit ça. On dirait qu'il y a des hangars là. Probablement, c'est ça. Zougo Oscar, j'ai un trafic à vos midi, même niveau, route opposée. Il est à peu près à 3 minutes de vol devant vous. Excellente information, trafic reçu, Zougo Oscar, pas visuel. Voilà, juste au sud de Dreux. Mike Victor. Fox Golf Tango Mike Victor. Fox Golf Tango Mike Victor, j'écoute. Oui, j'ai un trafic à peu près à vos midi, vos 1h. Même niveau, route opposée, il est à 3 minutes de vol. C'est copié pour l'information trafic, on reste vigilant, Fox Mike Victor. Ouais, c'est ça. Pas d'appareil, la verticale là. Et 07. Alors on a du vent. Zoulou Oscar. Ouais, Zoulou Oscar, toujours pas visuel. Mike Victor, toujours pas visuel. Et visuel, Fox Mike Victor. Je confirme, je laisse carrément maintenant. Reçu. Bon, ben l'étape prochaine, hein, c'est... Hein? Alors, 14 minutes. Voir un petit peu moins avec le vent arrière qu'on a. Ah pardon, Ah bah elle est positionnée pour. Hein. J'irai du 11h20 moi. Donc là-bas, je vais arriver à 2300. D'accord. Donc oui, je serai presque... Donc premier passage à 2300. Je cherche la manche à air qui est entre les deux taxiways, un gazeur et un gazonné. A priori, je vais faire demi-tour, éloignement une minute dans le sens de l'atterrissage, pour tourner deux fois à droite. Si là, c'est la piste 07 qu'on prévu, c'est un tour de piste à 1800 pieds, main droite. En vent arrière, je fais 1900 tours, réchauffe carbu, un cran de volée et pompe. Étape de base, 1300 tours. Ouais, 1500 en étape de base. 1300 en finale, 65 nœuds. En cas de remise de gaz, premier virage à droite, tour de piste à 1800, main droite sur la 07. On dégage la piste par un taxiway alpha en midi. La piste longueur, donc c'est 700 mètres presque comme Logne, donc il faut être un peu précis. Largeur 20 mètres, c'est correct. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? L'altitude de terrain, 780. Donc, altitude de décision, à peu près 1300. Je décide si je fais remise de gaz ou on continue si on est stable. Dernier virage 1300, début final. Et plutôt décision 320 à 1000 pieds. Et donc là, il nous reste 7 minutes. Oui, à peu près. Ouais, d'accord, toi, donc c'est un peu plus rapide que je le pensais. Donc là-bas, ça doit être Verneuil.
Ouais, c'est ça. Et tu vois sur Verneuil derrière, quasiment dans notre axe, on voit une route qui part. Ouais. Donc en fait, c'est cette route-là qu'on suit. Ok. À la rigueur, tu fais un virage à gauche comme ça et hop. Il la perdra pas de vue. Ouais, on la voit bien aussi là, tu vois. Ouais. On est pile dans l'axe. Donc l'extension de Verneuil, elle est assez prononcée sur l'axe. Deauville, 120, 35 et 7000, au revoir. Ah oui, c'est ça. Ah, il est puissant le vent arrière. Hein. Ah. Un nœud là, ouah. Donc en fait, ça nous fait un vent comme ça, donc on est sur du 290. Hein. Okay. Ça fait un vent du 320, 330. Ok, donc oui, il est dans cette direction, le vent. Ouais. Viens copier Sierra Oscar pour Deauville 125. Oui, allez-y, vous pouvez reprendre vos globales là. Vous pouvez passer avec Deauville 120, 35 et 7000. Au revoir. Deauville 120, 35 aussi. Effectivement, on a l'autoroute, un petit pas de en feu de ça, Zulu Alpha. Zulu Alpha. Zulu Alpha en fin d'évolution pour passer avec ça. Saint-Cyr, 7000, au revoir. Saint-Cyr, on passe 7000. Merci pour ça, vous êtes en journée. Bon, c'est Zulu Alpha, au revoir. Bon week-end aussi, merci. C'est vrai, quand tu l'as lu et que tu as trouvé les repères, elle est limpide. Hein. Par contre, t'avances vite. Paris Info de Fox Québec Sierra, bonjour. Québec Sierra, bonjour. Fox Golf Juliette de Québec Sierra, Robin Dier 400, deux personnes à bord en provenance de Montargis à destination de Bagnoles, 2500 pieds. Québec Sierra 7011. Je commence à descendre à 2300 et je quitte dans 30 secondes. D'accord. J'ai la fréquence d'après qui est prête. Québec Sierra, 7-0, unité, au transpondeur. Pascal, tu confirmes la fréquence 7-0, unité, Fox, Québec Sierra. Il est pas sur la carte, et l'aigle, il est pas là. Alors l'aigle, moi je... Delta, Echo Papa, Echo Papa, descending on 2000 feet. De toute façon, on peut rester avec eux. 2000, nature convenience. 2-3 minutes. Echo Juliette. Enfin, j'ai pas de mais 126. J'ai du para à Fripois-le-Château qui est à vos midi dans à peu près 10 minutes de vol, même pas, plutôt 7-8 minutes. Et l'avion largueur est en montée à 2200 pieds. Ok, enfin, je suis vigilant, je vais faire un petit écart pour éviter la zone. Merci. Je vous en prie. Paris Info de Fox Golf Novembre Lima, pour quitter la fréquence et contacter l'aigle, je suis à 5 minutes de leur installation. L'aigle 7000, au revoir, Novembre Lima. 7000, au revoir, merci pour votre aide, monsieur. Je vous en prie. 5 Victor. L'aigle de Fox Golf Novembre Lima, bonjour. L'aigle de Fox Golf Novembre Lima, ER400, deux personnes à bord en provenance de Logne à destination de vos installations. Vos installations sont estimées à 3-4 minutes. Je rappelle à la verticale 2300 pieds pour reconnaissance, puis une intégration pour un complet Fox Novembre Lima. Et on est en ER400. La personne. Donc l'aigle qu'on doit voir là-bas maintenant. L'aigle de Fox Novembre Lima, il y a quelqu'un sur la fréquence, s'il vous plaît. On copie 5-5 et il y a pour information deux avions dans le circuit. Merci, vous pouvez me confirmer la piste en service, s'il vous plaît. C'est la 07 actuellement, Fox Victor Papa. Merci, Fox Victor Papa. Je suis à 3 minutes 30 de la verticale, je passe quand même à la verticale 2300 pieds pour reconnaître. C'est copié, vous avez un appareil en course finale 07 et moi un DR400 en fin de vent arrière 07 également. Ok, merci beaucoup pour votre aide.
donc à 2, je... Leg, Fox Kilo Novembre, en final, c'est 0,7. Je donne 400 quand même. Ouais. Je pense que le terrain, il est juste à gauche de la ville, là. Je prends la ville, à la route qui se prolonge. Leg, Fox Kilo Novembre, en papa, on gère en l'étape de base, éloigné 0,7. À la piste, oui, je pense de l'avoir. Et je vois le rond-point qui est sur la VAC. Donc tu me disais tout à l'heure là le rond-point pour là, mais bon ça c'est pour la base de l'autre copie. Règle du subducteur papa, on est en début de longue finale 07C, on a visé le sur le trafic. Avant le château d'eau, après le terrain il est là, d'accord. Ok vas-y, je te laisse revenir, moi je regarde. Pour moi c'est... Je vois ce que je voulais faire. Ah c'est le rond-point qui est là. Ouais c'est ça, alors ça c'est le rond-point pour la base de l'autre côté. Ouais. Donc je vais passer à la verticale quand même, hein, de là, 400 fait, pieds, voilà. Je fais un demi-tour pour revenir. Voilà, comme oh, ça. Oui, le rond-point, ouais. Après on reviendra aux environs de la forêt, okay. Tranquillement. L'aigle de Fox Novembre Lima à une verticale, à une minute de la verticale, 2400 pieds pour reconnaissance. Lake du Fox Victor Papa, on continue à 07, un touché. Lake du Fox Victor Papa, on est au front de la piste Alpha, on va en route. Lake du Fox Novembre Lima à la verticale 2400 pieds, je fais demi-tour pour débuter, début vent arrière 07, main droite dans 1 minute 30. Le vent il est faible au sol, hein. Hein, à peine 10 nœuds, il est quasi de face. Mais il est en très courte finale. Avant c'est bien dégagé. Hors de piste, 1800. 1800, ouais. Confirme. 800, confirme. Ouais, 1800. Ouais. Ok, merci. Saint-André, Fox Kilo Novembre, au point d'attente Alpha, on remonte la 07. Donc il faudrait qu'on passe, à mon avis, un peu plus au large de, ce vide, de cette ville avec un point là, pour être tranquille. On n'emmerderait personne et on aurait de la marge. Lake du Fox Victor Papa, on est en montée initiale 07, on va refaire un tour de piste. Où est le trafic qui vient d'arriver? C'est moi, je fais mon éloignement une minute pour rejoindre les deux vents arrière. Je vais essayer de d'intégrer derrière vous, je pense. Pour info, je suis pilote novice, c'est première arrivée sur votre terrain. C'est copié, j'ai pas visuel sur vous, je suis en fin de montée initiale, je tourne vent traversier. Ok, je continue un peu mon éloignement, je suis à 2500 pieds. C'est parfait, donc vous passez après moi, Fox Victor Papa. Merci. Donc là, je vais commencer dès maintenant. Voilà.
instruments sont dans le vert. Allez, une minute est terminée. Le terrain. Ah là, je vois un peu. Oups, ah c'est le forêt. Ok, on est 2030. Du Fox Victor Papa, on est en début de l'intérieur 07, un touché, puis retour Cap Mortagne ensuite Victor Papa. Donc le rond-point dont on parlait tout à l'heure, il est là-bas. C'est bien. Encore 200 pieds. Décollage 07. F-246. Victor Papa, on vire en base. Début final 07, main droite, Fox November Lima. Pas grand volet, pompe on, réchauffe on, 1800, PNH, KFE 246. Ok, la remontée initiale là. Et l'autre devant il est en base là-bas. Ok. Ça veut dire qu'en fait on peut virer au-dessus du compte. Okay. Quelque part par là. Ah oui d'accord ce compte. Non. Alors c'est bien, t'as dit que le chemin. Donc tu vois, il vire au-dessus de la ville, à droite, là. Au-dessus de la route et de la ville. Lac du Fox, Victor Papa, en finale 07, un touché. Un rond-point, deux ronds-points, on les passe, ouais, c'est ça. L'aigle de Fox November Lima, je tourne en étape de base pour un complet sur la 07. L'aigle de Fox Kilo November, on est en fin de montée initiale, on monte à 2000 pieds. Bonne journée vers Saint-André, bonne journée, au revoir. Au revoir Fox, Victor Papa. Un instant. En finale, nous avons rencontré sur la 07 de novembre Lima. Ok, je prends un peu de gauche. Deux. L'aigle de Foxtrot Golf Victor Victor Hotel, Robin Air 400 en provenance de Chartres à destination de vos installations, yes. Actuellement à 2 minutes au sud de 2100 pieds de QNH, je rappelle Verticam. Monte un peu plus en fait. Victor Papa, on quitte le circuit par le sud, on est 2000 pieds, en montée vers 2005. J'ai pas visuel sur l'appareil qui vient de s'annoncer en arrivée par le sud. En course finale 07, j'atterris, Fox November Lima.
X-Ray Hotel, je reste à la verticale, je reste à 2500 pieds jusqu'à la verticale. Lègue du Victor Papa, donc nous on a mis cap vers le sud, vers Mortagne, et on va rester 2000 pieds que Nashville 26, parce que j'ai pas visuel sur le trafic qui arrive, donc au pire ça croisera au-dessus en dessous. Impeccable. Ah, j'ai touché un peu avant, je pense. Ouais, 5 mètres avant peut-être, à 10. Ouais. Oui, Lègue du Victor Papa, pour information, ça croise le trafic, j'ai visuel sur mon travers droit. L'aigle de Fox, novembre Lima, je dégage la piste 07, je roule au parking. Oh, le parking est par voilà, volé. Nara, pourquoi? C'est la pompe et les phares. Cela, c'est le compensateur. Roule, c'est le réchauffe, c'est la radio. C'est où le parking? Oh, je dirais qu'il est quelque part à droite, là, moi. Maintenant, Je vais à l'agent. Je reste ici. Ouais. En fait, on risque d'être tourné devant le. L'aigle de X-Ray Hotel, j'arrive vers le 2169 pour une intégration standard. Je lui demande. L'aigle de Fox, Juliette X-Ray, Roméo Juliette, bonjour. L'aigle de Roméo Juliette, un ULM en provenance de Chartres, destination de Mortagne, et un transit par vos installations à 3000 pieds, rappellerait vertical de votre terrain. Il n'y a pas d'information sur la carte. Ah, je l'ai entendu. Kilo Echo, vous pouvez m'aider pour le parking, c'est par où s'il vous plaît? Oui, bah tu... où tu es, un petit peu plus loin sur le carré en herbe, c'est bon. Ok, merci. Hein. Tu restes là combien de temps? Une demi-heure. Ok, ça marche.